On a empoisonné mon fils, en effet. Et par le biais de ma main, quoi. Donc c'est un petit peu difficile, quoi. En tant que maman, je peux vous dire que ça a été compliqué. Il a eu des symptômes violents pendant plus d'un mois, où vraiment les diarrhées ne cessaient pas, la fièvre faisait que fluctuer, et puis les maux de ventre ont été vraiment insupportables pour lui. Et ça a duré, je dirais, bien 3 mois avant qu'il recommence à s'alimenter correctement. Il a de temps en temps encore des maux de ventre, il a de temps en temps encore des diarrhées, et à chaque fois je me pose la question, est-ce que ça vient de ça? Je ne sais pas. C'est angoissant. Moi, Lactalis est coupable parce que c'est eux qui ont fourni du lait contaminé. Ça m'a mise en colère parce que nous, à l'heure actuelle, on n'a pas de réponse sur tout ça et ils vont recommercialiser du lait. Et comment peut-on être sûr que ça ne va pas se reproduire? Moi, je ne le sais pas à l'heure actuelle et je trouve que ce n'est pas normal.